Attends, mais là on fait chacun le tour d'un camp. Ah putain, je suis par terre. J'arrive. T'es vachement loin. Je collais la muraille. Ouais, il est collé à la muraille. Il est loin. Tu as raison. J'ai plein de tours de soins. Il y a plus besoin, il y a plus besoin de médoc maintenant. Ah bon ? Ah, il y a plus besoin de médoc. Le jour se lève. Hein. Voilà, c'est bon, lui il restera à terre. Putain, les mobs qui balancent des grenades, des. C'est bon, le top. Bah, bientôt, on nous jette de la TNT, ça va être drôle. Y'a encore des trucs qui courent, hein. Quoi ? Il m'a semblé voir. Ok, truc. vu devant moi. Au niveau des racks de bois. Ah, le lapin il a eu du bol. Il est passé à côté de moi, il a failli se le prendre son coup de hache, mais c'est pas vrai. Ok, donc le jour se lève. Il faut absolument qu'on agrandisse. On y aille, hein. Ink, Ink. Ouais, ouais, je l'ai vu. Il se balade, on dirait qu'il nous a pas vu, quoi. Là, il nous regarde, hein. Ouais, ouais, ça y est. Ah, je l'ai manqué. Olé. Je vais prendre. Non, putain, j'avais. Je suis mort. Merde. Putain de fils de pute. Pas en frontal, Black Fury, pas comme ça, de côté. Mais pas l'un en face de l'autre, ah bah oui. Alors, tu peux avoir un petit raise ou pas? Oui, oui, ah, mais je vais lui couper la jambe. Comme ça, s'il se relève, il va avoir beaucoup plus de mal. J'arrive pas à raise, je peux pas. C'est bon, merci. Je raise aussi, c'est bon. Quel point j'ai fait restart, putain. Mais je crois que tu m'as mis un coup, hein. Non? Bizarre. Allez, 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 il faut qu'on soit actif, faut que ça avance là. Allez, on... Tu fais le plan, Loïc? Oui, oui, c'est à la base, à chaque attention, fois j'essaie. Un arbre ouais, j'ai vu l'arbre, je l'ai vu. Enfin, normalement, je me le prends pas. Normalement. Bon, wow! Moi, je vais aller charger les chariots de bois de ce qu'on a coupé devant la base. Ok, génial. J'ai fait tout droit de l'avion, je me suis pris de falaise. Oui, il y a... Ouais. Il y a une chute d'eau en face. Je récupérerai mon cadavre, oui. Le premier ou... Oui, non. Si, maintenant on peut. Les deux? Oui, oui, tous les cadavres se restent. Tous les cadavres restent. Après, on n'est pas obligé d'abattre le mur, on peut juste faire une porte, hein. On n'est pas obligé de péter tous les rondins, hein. Ça peut faire. Ah ouais, non, on n'est pas obligé, ouais. Faire une deuxième sorte de muraille ou... Ouais, une deuxième enceinte. C'est pas con. Je pense que les murs en pierre, par contre, c'est bien. Ça, je pense qu'il faut qu'ils les pètent avant de péter les murs en bois. Hein. Donc, ça peut avoir un avantage. Imo. Ok. Je suis assez d'accord avec toi. Surtout qu'on commence à se bouffer les poulpes. Et je me rappelle que dans la partie d'avant, vous vous rappelez, on s'était pris une oui. Nuit où on s'était vraiment... C'était la nuit. Oui. Bruit. Il y a du bruit. J'annonce, je crois que j'ai mon bug de rester appuyé qui est revenu. Ok, j'ai fait un pas de côté et j'ai ouais, un sur truc moi, sur moi, sur moi. Ah ouais. Cadeau. Bon. C'est toujours très très hospitalier en fait, comme secteur. Le début de ce jeu, c'est bisounours quoi. Ah, clairement, hein. Qu'est-ce que ça va être dans deux nuits, quoi? Je sais pas, ça m'inquiète un peu, quand même. Pour incoming. Oh putain, mais il faut qu'on arrive à... Oh là là, mais... Putain, je l'ai pas vu. Allez. C'est bon, s'en sort. Ouais, pas... ça part, c'est bon. Le démembre, on est bien. Oh putain, dans mon dos. Sale pute, putain. J'arrive. Désolé, c'est pas... Oh, il est venu, il m'a mis deux coups dans le dos, cet enfoiré, il s'est barré, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Heureusement, j'ai les médocs. Je suis dans la merde, là.
Plus de médoc, plus rien. Ah, je peux t'assurer, on a fait des longs moments où on a... C'était la merde. Hein. Ok, ok. Putain, le mur est loin d'être fini en plus. Hein. Oui, clairement. Faudrait déjà terminer ce côté là, le côté où je suis, là il manque 3... Il y en a à la porte principale, la première porte, j'ai vu des mouvements. Ok, on va y aller. Ouais, mec à la masse. Ok, vu. Celui-là en plus, ils sont bien dangereux. Je suis à côté, hein. Je suis à côté de toi, je suis sur son côté, je vais vas-y, le prendre. Vas-y, planque-le, planque-le. Ta gueule, reste à terre, termine-le. Il y en a un autre dans ton dos, je te cover au cas où killing. Bien. Et direction, tu sais, le petit bois en face, vers ta droite, je l'ai vu. Moi je l'ai plus vu là. Vu, ok. En fait, pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est un peu, mais où est Charlie quoi? Ok, bon allez. Je ramasse les rondins. Hop, allez, on repart. Alors c'est là où, comme vous pouvez voir, ça devient Bagdad quand même petit à petit. Hein. Après, ça sera de l'île... Enfin... Putain, j'ai eu peur. De la tour défensive. Vite, il fait nuit. Ouais, il y a du monde aussi hein, qui se rapproche. J'en vois beaucoup au loin qui sont en train de se rapprocher. Là où on a dégagé la zone avec les bois. Perco, fais gaffe, hein, c'est sur toi. Ouais, j'ai vu. Vite, 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 faut fermer, il reste que tout deux. Et il en reste 1, 2, 3, 4, à peu près 4. Hein. Oula, j'ai un problème là. On se réunit là, on se réunit. On se réunit autour de la muraille. Didel. J'arrive, recule, viens vers le camp. On est à côté. C'est bon. Je suis derrière toi, bon. Hein, je suis derrière. Connard. C'est bon. On recule. Ouais. Besoin de bois quelque part ou c'est fermé? Non, c'est pas fermé, c'est sur le côté... L'autre côté. L'autre côté. Putain, ils ont fait jarter le chariot. Je prends le chariot, j'emmène au bon endroit, vous me couvrez. Attends, Perco, pousse-toi. Ta gueule! Plus qu'un. Je l'amène ça, Black Fury. Si tu peux venir, j'ai le chariot dans les mains. Allez. Ok, c'est bon. Bon, on rentre, moi je rentre. Where is the door? Il y en a une à dire. Il faut combien de. 16 de... et 15. 16 et 15. 16 et 15, putain, j'ai pas ça sur mon chariot. Ouais. Non, mais. Là, déjà. C'est trop bien les doubles zones. Passer une porte, on a d'autres pièces. Ah, c'est rigolo. Moi, il y a. Là, on a deux possibilités. Moi, je vais aller grailler. Il y a deux possibilités. Soit on se met en mode combat. Soit moi, je peux pas, les gars. Moi, faut que je pose parce que j'ai mon bug. Tu peux déco et. Ouais, enfin, je fasse une pause et que je reboot tout encore. C'est volontairement qu'on a pété le bûcher ou pas? Juste pour savoir. Ah non. Peut-être leur molotov ou quand ils attaquaient tout à l'heure, je sais pas. Peut-être qu'ils se détruisent, non, mais c'est juste pour savoir si ça se détruit au bout d'un certain temps ou pas. Bah, ils flambaient après. Ouais, ils flambaient. Je crois que c'est consumé. Hein. Là, franchement, ils sont dehors. Je mange. Pas beaucoup, hein. Je mange et on va essayer de s'en occuper. Ok, il y a du monde là. Ça va, putain, on a renfermé un chariot dans la base, les gars. C'est pas grave. Manger, ça va, Perco? Ça va. Cassez-vous. Je finis un petit peu le mur en pierre. Que ça fait du style. Là. J'arrive, Cheese. Allez, moi je sauvegarde et je vous abandonne, hein, par contre. Ah, toute. On te retrouve après ou tu poses un moment? Je pose pour ce soir, je pense. Faut que je reboot le jeu. Je vais le redégager et le réinstaller. Vas-y. Ouais, est-ce qu'on n'arrête pas tous et puis. Comme ça, on reprend tous où on en était. On a fini le. Attention, il y en a un là sur le côté. Bon, on finit la nuit et puis comme ça on reprendra le jour. Moi j'aurais proposé qu'on termine juste la nuit et on reprend après, ouais. Je vous passe le flambeau, les gars. On commence à rentrer les rondins. Exactement.
Il m'a foutu un coup. Allez, boum, par terre. Bon, bah, c'était bien sympa. Oula, il y en a un gros avec la torche, King. Ah ouais? Ouais. Merde, j'arrive pas à rentrer. C'était à ma faute, je crois. Je suis désolé. Oh, t'inquiète. Ah oui, il est sur moi. J'arrive. J'arrive d'eau. Je prends. Oh non! Mais y en a non, un deuxième. Non, un deuxième. Non, non, oui, mais. Trop tard, il m'a éclaté le dos, l'enfoiré. Oh là 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 là. Je te raise vitesse max et on rentre. Rentre, rentre, rentre. Ouais, rentre. Mais j'y vois rien en fait quand je repop. C'est bon. Je t'aide ou pas là? Non, non, je suis dedans. J'ai repris, je suis full vie, hein, de nouveau. Ah, non, mais on s'... Pour une torche, hein. On va les faire cramer, hein. Ils vont la... J'ai pas de torche, je peux pas... Je vais le faire. Ils sont en train de niquer la porte, hein. Bah ouais, c'est bien pour ça que je me dépêche. Attention, ça va rentrer, hein. Oh putain. Bon, c'est bon, sors. C'est bon. Oh putain, j'ai pris cher. Je suis par terre. Ouais, mais là, il faut pas que je crève non plus. Donc attends, je re-rentre, ma torche est éteinte. Je re-rallume, j'ai foutu le feu à plusieurs. Essaye... Enfin, c'est-à-dire, essaye de tenir. Ouais, je fais ce que je peux, là. Oui, oui. Allez, une en moins, deux en moins. On va courir avec le flambeau olympique. Putain, oh, il s'est re-éteint. Il s'est re-éteint, je fous le feu à tout le monde, hein. Je suis désolé, je rentre, je sors. Je vais bientôt mourir. La porte. Bah, la porte va péter à ce rythme. Là, il y a beaucoup de monde en feu. Excusez-moi, à chaque fois, là, je rentre, je sors, je leur colle à tous. Mais là, il y a une armée, hein. Sérieusement, hein. T'es mort, je suis mort. Il est où le putain de camp, là? Il est là-bas. Oh là, oh là, oh là. Elle est où la porte? Elle est où la porte? Putain, il est devant, l'enculé. Hop là, je re-rentre. Il m'a foutu le feu. Oh non, putain, j'ai du monde sur moi, l'avion. Ils vont crever un jour. J'ai jamais foutu autant de mecs en feu. Putain, Xeno, t'es passé devant. C'est bon, j'ai récupéré mon sac. Et c'est Bagdad là, hein. Je suis sérieux, hein, là c'est... Y'a un bruit chelou chez toi, Sincé, là. Bah oui, mais j'y peux rien en fait, c'est mon bouton courir. Oh, la porte. Porte réparée. Oh putain, il m'a fait peur. Oui, mon sac, moi. Il devrait être par là, je comprends pas. Mais une quantité de cadavres, c'est... Oh, c'est incroyable. Peut-être qu'on fasse des effigies, hein. Non, je vois. Ah oui, mais puis là, de toute façon, là on peut, hein. Attends, couvrez-moi deux secondes, je vais essayer. Tu peux pas récupérer leur torche? Non. Ben non, je crois pas encore. Large effigie. Pourquoi j'ai du givre autour de... La froid. Okay. Bon, allez, prenne un feu. Bon, voilà, j'ai mis tout ce que j'avais sur moi déjà, et maintenant il n'y a plus qu'à découper. On va faire des effigies, on va leur foutre la pétoche quand même. Ou la haine, je sais pas. Il manque des bras, des têtes, en avant.
Eh, on a survécu à la nuit, hein. On a survécu à deux nuits, tu veux dire. À deux nuits qui ont été épiques. Et celle-là, putain, à un moment, j'arrêtais pas de sortir, de les foutre tous en feu, et je les voyais qui étaient là. Non, rien à foutre. Non, rien à foutre. Ah, mais t'as toujours ta tête, toi. Oh, mais dis donc. Il en manque deux. Il y avait pas plein de rondins qu'on a pas eu le temps de ramasser, si là, il y en a plusieurs. Oh, DB. Il faut des cadavres avec des têtes là. Là j'ai ramené. Il manque une tête je crois après celle que j'ai ramenée là. Ouais, il manque une tête. J'ai la flemme d'aller jusqu'à la. À la mare. Moi il me manque 8 rondins. Oh putain, tu m'as fait peur. J'étais à qui ce c'est un pygmé ça ? Non. Comment j'ai raté le. Non mais attendez, vous êtes d'accord. Personne aussi. A une tête dans son inventaire là. Non, j'ai tout posé moi. J'ai plus que des jambes, des bras. Bon. Je coupe un arbre. J'aimerais terminer l'escalier au moins. Vers les. Je vais faire un tour jusqu'à la mare aux têtes. L'entrée principale, elle est contestée, hein. Voilà. C'est-à-dire que l'entrée principale, on indique clairement qu'ils sont pas les bienvenus, quoi. C'est ça. Clairement, s'ils cherchent la bagarre, il y en a quelques-uns qui ont mal terminé, quoi, pour faire tout ça. Allez, 4 rondins pour terminer l'escalier. Bah alors, mon petit Black Fury, comment t'as trouvé cette nuit, ce petit camp, ce nouveau regard que tu as sur Z-Forest depuis la dernière fois que tu y as joué? J'ai survécu. Oui, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Peut-être 3 cailloux pour le voir. Oh putain, ouais, t'es en haut de l'escalier, d'accord. C'est à quoi? Il est où? La tour du coup. Allez, on termine la tour, ça sera fait. On sera trop des beaux gosses. Je termine le mur en pierre. Je pense que en haut de la tour, faudra qu'on mette des racks à flèches. Oui. Et surtout qu'en fait, depuis le début. Attends, je coupe l'arbre et je regarde. J'ai quand même. Ah, j'ai que 10 plumes. Je pensais en avoir plus. Je pensais en avoir plus, pour être honnête. D'accord. Oubliez pas que quand vous voyez des piafs, vous pouvez les buter. Hein, vous ramassez les plumes. Quelquefois, attends, mais il y en a qui s'est posé sur mon doigt tout à l'heure. Ah ben, quelquefois, ils s'envolent aussi et ils lâchent des plumes en s'envolant, en battant des ailes, voilà. Pas obligé que de les tuer. Mais les plumes servent évidemment à faire des flèches et... Voilà, le meilleur empire est fini. GG. J'ai le chariot de bois qui s'est envolé et qui a ratterri. C'est magistral. Intéressant. Je sais pas, c'est marrant, là on voit pas de pygmées alors qu'on en voyait même deux jours, soit on a fait un vrai carnage là. Oh, les totems ça calme un peu le... Peut-être. Ou ils préparent la prochaine... Invasion, ou bien ils sont en train de faire un plan. Alors Bob, vous allez les assiéger par le flanc est avec une pieuvre et un poulpe. Et nous allons les flanquer par là à une quinzaine, parce qu'il faut bien ça. Il y a 4 têtes qui roulent par terre là, c'est... Tu vois, après je ferais bien une tour à droite, ouais, quand on rentre. Ouais, ouais. Et on la relie. Et on la relie, ouais, mais je suis... Il y a une grotte là juste à côté du... Ouais, on l'a déjà faite. Ouais, on l'a faite celle-là, ouais. Dans l'épisode qui ne saurait tarder à sortir, il est déjà téléchargé sur le site, mais...
Chut, il va bientôt être publié. Alors. C'est bon, on va terminer la tour, ça va être pas mal. Ok, je lâche un rondin là, ouais, c'est bon. Alors. Le chariot à côté, ouais. Hop. Ouais, nickel, on a une bonne vue en plus de là. Elle est bien haute, mais pas trop non plus, c'est cool. Ah là, les archers vont se faire plaisir pendant que les fantassins. Iront. Enfin, ils iront leur faire les... peur, quoi. Les cocktails Molotov nous tomberont sur le coin de la gueule, tel que je connais le truc. Ah, c'est marrant, vu d'en haut le camp, t'as... c'est marrant, ouais. C'est rigolo. Bon, voilà. Mur en... Les deux murs en pierre faits, j'ai réparé tout... toute la clôture. J'aimerais bien me faire un ou deux piaf pour avoir des plumes et. Petit piaf, posez-vous les petits piaf. Faire des fenêtres au mur pour qu'ils se posaient aux fenêtres, je me rappelle. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et dans mes souvenirs, ils se posaient aux fenêtres et ça jartait des plumes près des fenêtres. Non, mais il est sérieux là. Non, mais sérieux. Bon, allez. On se tape là du coup? Putain, j'ai failli péter l'effigie à cause de ce connard. Failli. J'ai retenu le coup. Allez, on va stopper là. On va stopper là, on a pas mal avancé. Donc comme vous pouvez voir, le camp quand même a bien évolué. On a fait une deuxième partie qui va être une partie très défensive avec des tours. Là, on en a construit une avec l'escalier. On va en construire une en face en effet. On essaiera de tout relier avec un petit pont pour vraiment faire une zone défensive. Vous voyez, on a un peu imposé notre territoire. Hein, un peu comme des chiens ou des chats qui pisseraient sur le territoire. Là, ici, c'est chez nous. Il y a pas mal d'effigies qui sont là pour un petit peu inquiéter, effrayer, repousser nos chers amis qui nous envahissent, de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, de plus en plus casse-couilles, tout ça, donc voilà. On a fait de l'exploration, on va continuer. Là, c'est vrai qu'on essayait surtout de quand même construire un camp solide, fiable. Alors là, par contre, je suis en train d'essayer, pardon, de tuer en même temps un corbeau. Et intouchable le corbac, hein. Là, je suis dessus. Ah. Ah. Bah, je sais pas si c'est le corbac qui a fait ce bruit là, mais. Non. C'est un gros corbac alors, hein. Ouais, bon, allez, je sors, on va voir ce qui se passe. Allez, elle est là, côté. Gauche, 2. Oh là 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 là, c'est une armée, hein. Une armée, regarde ce que j'en fais, ton armée. Des bras, des têtes. Je te couvre. Attention sur ton côté. Et bien alors, madame. Et bien alors, madame. Oh, on a une très jolie poitrine. Très 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 jolie. Toi, ouais, je vais être sûr que tu te relèves pas. Moins 2. C'est bon? Oula. Là, il suffit de les faire fuir et... Attention. Bonjour madame. Bonjour. Bon. Eh ben voilà, on est devenus des vrais pros quand même. Ah là... Une boucherie. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on va entourer le camp des figies. Ouais, bah de toute façon on va avoir de la matière première là pour, hein, parce que... À ce rythme, bon. Allez, sur ce... Allez, on sauvegarde, et go. Sinon on va jamais s'arrêter là. Alors là j'ai eu un petit lag. Et les corbacs j'arrive pas. Oh non. Bonjour, je suis dans le dos. Moi je suis en sauvegarde. Non, je relève pas. Non. Okay. On se relève pas, c'est bon? Allez, on va sauvegarder, donc on espère que ça vous a plu. Jusqu'au bout, on aura eu de l'action, jusqu'au bout, on aura eu des casse bonbons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne, ça nous permet de nous développer, ça nous permet de vous proposer toujours un peu plus de contenu. Laissez-nous des commentaires, positifs, négatifs, si vous avez envie de voir des choses en particulier ou autre. Visitez notre chaîne, il y a plein de contenus différents, variés, avec beaucoup des membres de la team qui vous proposent plein de jeux différents. Consultez le site communautaire www.no-mort.fr sur lequel on met de l'actu ou ce que l'on va faire, le planning des streams, etc., etc. La même chose sur Facebook, si vous préférez passer par Facebook, c'est Team No More. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, on vous souhaite un bon jeu, amusez-vous bien,
Et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao. C'était l'instant pub.